Ici la Réunion, t'es maman, nina, toute nation. Oh, l'engage, la maille, mon aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, nina, toute nation. L'engage, la maille, la fait rayonner. Donc, moi, je m'essaye, j'expose à Zop, où ça nous va pour demain. Par rapport au texte, donc vous avez toutes là bien retenu que le 21 mai, date de l'UNESCO sur la déclaration universelle de la diversité culturelle, etc. etc. Mais il y a d'autres dates qui intéressent à nous un peu plus, toujours dans la continuité de 2001-2002, c'est la convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et là, on introduit la notion du patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire le savoir, savoir-faire, etc. Et il rentre là-dedans un certain nombre d'inscriptions à deux niveaux. Le niveau UNESCO-Humanité, et où nous retrouve actuellement le PCR, le Python si à qui on parle, que je t'y connais depuis le temps. Et vous y retrouvez aussi le Maloya, 2009. Donc ça c'est UNESCO Humanité. Depuis 2005, ça l'est introduit. Et en France, hexagonale, l'a mis en place depuis 2008 un certain nombre d'inventaires du patrimoine culturel immatériel reconnu au niveau national. À peu près 500 inscriptions, c'est-à-dire qui reconnaît, il valorise, mais surtout il protège cette connaissance-là. Et à La Réunion, aujourd'hui, ce que j'ai déjà acquis dans cet inventaire, nous n'avons quatre affaires qui rentrent là-dedans, quatre thématiques. C'est conte traditionnel à La Réunion, et ça a été inscrit depuis 2017. Nous en avons aussi la vannerie du Vacquois à La Réunion. Alors, dans la fiche qui décrit le diagnostic, il appelle ça le premier conte traditionnel à La Réunion, et je l'ai mis en langue vernaculaire, le marqué dessus, Axel, les marqués racontant des histoires à La Réunion. Vous l'étiez dedans aussi, n'y crois. Hein. Vous l'étiez partout, mais un peu universel. Et il y a, dans le domaine de la vannerie du Vacquois à La Réunion, ben là, ils appellent ça, chez nous, ils appellent la tresse Vacquois. Et après, il y en a aussi le savoir-faire et la pratique des simples à La Réunion. Alors, le simple, lui préfère dire en créole, zéabas et tisane. Ça, c'est simple. C'est plus simple de dire simple ou tisane. Voilà. Et ça, c'est depuis 2018 que l'a été mis en valeur dans ces fiches. Et le dernier en date que l'on a retrouvé, c'est le Ségal d'Île de la Réunion. Le Ségal d'Île de la Réunion, qu'elle est intitulée en langue vernaculaire, Ségal. La Réunion, mais il n'écrit pas comme Roger, un peu. Le grand L, mais après le grand R. Sega La Réunion, Sega Réunionné, que l'était inscrit le 12 février 2020. Donc, alors, la méthode et quel outil pour nous faire inscrire à d'autres que l'on voit sûrement actuellement, on l'avait vu avec Marie-Jo tout à l'heure, il dit, on a d'autres inscriptions que l'on voit, mais il faut que nous, ma piste de prochaine réflexion que nous pouvons mener pour notre prochaine manifestation demain, c'est mettre en valeur d'autres thématiques. Nous la parlons beaucoup, la cuisine, tout ça. Là. Peut-être que Laurence pourra dire une affaire là-dessus. Mais lui pense, elle, nous peut faire une fiche là-dessus. Hein, et vous pourrez voir comment il pourrait inscrire d'une manière générale. Voilà notre piste de travail, c'est de, voilà, à venir, activer la, il appelle ça la commission, le centre français du patrimoine culturel immatériel. Donc il faudra nous contacter les autres et nous essayer de retravailler les autres pour reconnaître d'autres savoir-faire et d'autres. Voilà ce que nous propose et voilà le cheminement que nous pouvons rester dedans. Merci à autres.
union et na toute nation. Langage la maillée, la fait rayonner. Ici la réunion, t'es maman, et na toute nation. Oh, langage la maillée,